vidéo pour cette année. La dernière, c'était quelques minutes avant Noël. Ma vidéo era stata, mi sa, al Capodanno. Donc aujourd'hui, avec cette vidéo, nous allons recommencer. Oggi con questa video si ricomincia. Allora, entre temps, parce que moi, en janvier, je m'arrête tout le temps, io in gennaio mi fermo sempre, j'ai dû ramener cet ordinateur ici, ouais, en réparation. Ho dovuto portare questo computer in riparazione e dunque l'ho portato perché era in garanzia. Je l'ai porté, il était en garantie de 2 ans. Dopo un anno, après un an, il a commencé à déconner. Il a cominciato a fare i suoi scherzi. En peu de parole, cet ordinateur-là, questo ordinatore qua, il m'a. Si je l'ai laissé avec la pile, il fonctionnait normalement. Si lo lasciavo con la pila, funzionava normalmente. E quando je mettais la prise de courant, quando mettevo la prise di corrente, il suffit che je ne touchais plus l'ordinateur, era sufficiente che non toccavo più il computer, qui se bloquait avec un grand bruit derrière, qui si bloccava con un grande rumore. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je chargeais la batterie, j'enlevais et je pouvais encore continuer. Entre-temps, j'ai remis en place l'autre ordinateur qui a pris du temps. Fra tempo che facevo così, diciamo, lo caricavo la pila, lo usavo, ricaricavo la pila dell'ordinatore, del computer. Ho rispolverato quell'altro che c'avevo, che lui così aveva un difetto, che lui aveva un difetto anche lui. La tastiera, où on écrit, che je vous ferai voir. Voilà. Donc je l'ai envoyé en réparation, dans un centre commercial, lo spedito, e un centre commercial dove l'ho comprato. Voilà. Et nous allons regarder ensemble le temps qu'il y a eu à le faire, hein? Le temps qu'il y a eu pour le faire. Venite qui con me, venite à côté de moi et nous allons regarder ensemble et andiamo a guardare insieme, ok? Donc, vous allez avec votre facture d'achat, donc andate con la vostra fattura, in questo caso il computer, dans ce cas-là, la facture de l'ordinateur. Ils vous relâcheront le bon de reprise, mais ils relâcheront un bon de reprise. Dans mon cas, je l'ai mis la réception le 11-1, l'11-1. Le nom de qui a, c'est mon nom, c'est mon nom. Vous voyez. Bon, j'ai dû enlever ces choses-là. PC, je dois tout togliere. Parce qu'en public, non puoi mettre. En public, tu peux me mettre ce que tu veux. Bon, le clair, c'est le C, mais ça dépend du son. Enfin, c'est pas toujours dit que tous y sont comme ça. Non, est dit que tous y sont così. Voilà. Donc, ça, c'est le bon. La reprise che poi quando ritornate dovete darlo, che quando vous retournez vous devez le donner. In seguito vi danno una specie di facture, voilà, vi danno una facture di ce qu'ils ont fait. Nel caso lì il difetto era dovuto, voilà, bon, vous le lisez en français, poi lo leggete in francese, vedete il coup. Donc, il problema qu'il avait. Donc, aveva un problema nel pilota di intelligence e defragamento del disco. Beh, sarebbe dal disco. Per un totale di 30 euro. Per un totale di 30 euro.
Donc, io l'ho portato, abbiamo detto, l'11-1, je l'ai reçu, je l'ai porté le 11-1 e l'ho ricevuto il 6-2. Donc, l'ho ricevuto il 6-2 alle 12:30, a midi e mi. Voilà. Ok, voilà. J'ai rappelé, non ho pagato niente. Hein. Donc, une demande qu'on doit se faire, est-ce que ça convient à toi de le ramener, de le faire réparer là-bas, parce qu'il est encore en garantie. On va demander, conviene di portarlo, perché è in garanzia. Ça, c'est à vous de voir, questo è a voi di vedere. Perché è chiaro, parce que c'est clair que si j'aurais voulu, in un giorno, il problema sarebbe stato risoluto. Un jour, le problème serait résolu. Mais, étant donné qu'il est en garantie, et que j'avais, je répète, un autre ordinateur à disposition, qu'avait un autre ordinateur à disposition, ho preferito io portarlo dove l'ho comprato. Il faut savoir que si vous touchez dans l'ordinateur, il vous créera des problèmes. Donc, moi, je n'ai jamais touché. Hein, donc, pas eu de problème. Je n'ai jamais toccato, mais ci sono mai stati problemi. Le fait d'avoir pas payé 30 euros, le fait d'avoir été, de ne pas avoir pu user l'ordinateur pendant presque 30 jours, le fait de non avoir usato le computer 30 jours, d'autres auraient voulu porter directement lui, chez un qui le connaît. Demande à voir si celui-là il aurait été correct, si il aurait dit vraiment la vérité. Je demande à être portable dans un ami ou dans la personne qui connaissait le négocio. Si convient ou non, que c'est à vous de judicar. Ça, c'est à vous de voir. Dans la prochaine vidéo, on va donc parler toujours de l'ordinateur, mais pas en lui, mais parce qu'on a l'habitude aujourd'hui d'acheter sur le site internet, là où ça coûte moins cher. Siamo abituati di comprare i siti dove costa meno. Il y en a un particulier que je dois vous en parler, et un en particulier che vi parlerò. Il faut faire très très gaffe. C'è da stare molto molto attento. Ça sarà dans la prochaine vidéo. Voilà, questo sarà nella prochaine vidéo. Elle sortira maintenant, je sais pas, non, aujourd'hui on est quoi, on est lundi, aujourd'hui c'est mon lundi. Maintenant, le temps de la faire, le temps de farla, et jamais de la mettre en onde, hein, de la mettre sur le tube. Voilà. Ok, j'ai plus rien à dire. Je vous dis seulement de passer une bonne semaine, non plus niente da dire, et à vous de passer une bonne semaine, une bonne semaine. Vous savez qu'est-ce que j'ai oublié? Vous savez qu'est-ce que j'ai oublié de vous faire voir? Oui, ça me passe, oui. Il faut que je me réhabitue, hein, ça passe. Pour vous retourner ici, vous avez été retourner qui. Vous avez été retourner qui, que mi sono scordato un fatto. Et après on se laisse, hein. Venez ici, de nous, venez. Donc ça c'est celui que j'ai envoyé à réparation, quello che ho spedito in riparazione, et ça c'est celui que j'ai tenu depuis 8 ans, quello che ho tenuto da 8 anni. Il problème de celui-là, il problème di questo qua, sono le lettere, c'est les lettres, vous voyez, c'est les lettres. Donc si moi j'écris sur A, il ne sortira pas. Si je fais Z, il sortira. A, ça ne sortira pas. S, ça ne sortira pas. Donc, ci sono delle lettere che non escono. Qu'est-ce que j'ai fait? Sono andato da mia sorella, je suis allé chez ma sœur. J'ai parlé du cas. Ma sœur, mia sorella, ne sa di più sul computer che me. Mia sorella ne sa di più. Et on a ici une autre tastiera, pas comme celle-ci, plus petite, mais sans fil. Non, come questa qua, un'altra senza fil. Non funzionava. Donc, elle a acheté dans un grand centre, ha comprato un grande scena, un semplice, con il filo.
avec le fil qui s'attaque à quoi? Avec le fil qu'on attache ici. Ça, c'est la pastille. Donc, voilà. Hein, vous allez voir, je vais appuyer sur A, va de spinger sur la lettre A, et vous verrez que la lettre A esce. La Z esce, la S esce, toutes les lettres escalent. Vous voyez? Toutes les lettres, ça sort. Donc, c'était le problème de ça. Pour changer, per cambiare questo pezzo qui, ci vale più di 50 euros. Il faut plus que 50 euros. Pour un ordinateur qui a plus de 8 ans, pour un computer qui a plus de 8 ans, non conviene. Avec 12 euros, quand 12 euros, vous avez résolu le problème. Vous avez résolu votre problème avec une autre tastière. Il ne faudra plus appuyer ici, mais il faudra utiliser ça. Voilà. Vous ne devrez plus spinger per qui, vous devrez utiliser questo. Là, avec cette vidéo, je vous salue et je vous dirai à la prochaine vidéo et je vous dis quoi à la prochaine vidéo. J'espère que sono stato chiaro, j'espère que j'ai été clair, même si je parle deux langues, italien, français, français, italien. C'est comme ça. Hein? Et così anche se parlo due lingue, francese, italiano, spero che avete capito. Bye bye.